Bonjour à tous, Dominique Fontenot, je suis prof de bridge à Albi et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on peut briller dans un tournoi fan bridge. Enfin, je vais essayer de briller en tout cas. Alors, c'est pas n'importe quel tournoi que je vais faire, c'est le tournoi de Ziya Mahoud. Alors, je vais vous montrer. On est sur fan bridge là, on va donc jouer un tournoi. C'est dans les tournois fédéraux, tournoi.funbridge. Alors, je me suis déjà inscrit normalement. Pourquoi je ne le trouve pas? Funbridge. Ah, voilà, ça y est. Voilà, c'est celui-là. Dimanche 15 mars 2020. 34 Diamonds, l'inscription. 238 joueurs inscrits. Voilà, donc je vais jouer. Alors, ça démarre directement. Donc, avant de jouer la première donne, en fait, c'est un tournoi où intitulé Qui veut battre l'invincible Ziya Mahmoud? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ziya Mahmoud, s'il y en a qui ne le connaissent pas, c'est un des meilleurs joueurs du monde au bridge. Et probablement le plus charismatique. Donc, il a aligné les titres mondiaux et c'est un joueur qui a une vraie personnalité, beaucoup d'imagination. Donc, ça va être très difficile de le battre. Alors, on va essayer de bien jouer, mais ce sera probablement pas suffisant. Il va falloir aussi. On va jouer sur deux leviers. Donc, le premier, c'est que Ziya Mahmoud, malgré tout son talent, il joue peu sur Funbridge, donc il connaît moins bien les atouts et les faiblesses du moteur de jeu de Funbridge. Donc moi, ça fait un peu plus longtemps que je joue là, donc je pense que j'ai un avantage à ce sujet-là. Donc je vais essayer de mieux gérer les capacités d'argile en fait. Et le deuxième avantage que j'ai, c'est que normalement, une fois que j'aurai fini la première donne, je vais pouvoir voir le score de Ziya Mahmoud. Donc peut-être que je pourrais m'adapter suivant son score. S'il a fait un gros score, il va falloir que je prenne des risques. S'il a fait un score abordable, je vais essayer de jouer tranquillement au début et d'évoluer en fonction de l'évolution de mon score à moi. Donc l'objectif, c'est de finir devant Ziya Mahmoud. Alors c'est le deuxième tournoi comme ça qui est fait sur Funbridge. La première fois, Ziya Mahmoud avait fait 58% et je crois que j'avais fait un peu plus de 60%. Donc j'avais atteint l'objectif. On va essayer de rééditer l'exploit. Alors, première donne. Donc il y a 16 donnes à jouer. Je vais essayer de jouer vite parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc normalement 16 donnes, c'est 2 heures de jeu. Je vais voir si je peux jouer un peu plus vite, même si c'est jamais évident de jouer, de commenter en même temps. Allez, c'est parti. Deux piques faibles chez mon partenaire, j'ai 10 points d'honneur, j'ai rien à dire de particulier avec deux petits piques. On passe. Trois piques cupides à gauche, quatre cœurs. Alors, trois piques cupides, aucune indication, quatre cœurs, au moins quatre cartes, donc ils sont dans une séquence douteuse, j'ai l'impression. On va continuer de passer. Ah oui, parce qu'il est là. Alors, les adversaires jouent 4 cœurs. Je peux entamer pique, mais je vais entamer l'as de carreau. Parce que As-Roi, c'est souvent une très très bonne entame. Et on va voir le mort. Alors, as de carreau pour le 6 chez mon partenaire. Donc, j'ai pas vu le 2. Donc, j'arrive pas à lire la parité de mon partenaire. Le mort est très puissant. Donc, on va réfléchir un petit peu. Rejouer carreau, je ne sais pas du tout ce qui se passe à carreau. Donc, a priori, je vais éviter. Jouer pique, c'est neutre. Mais on ne voit pas trop à quoi ça peut servir dans un premier temps. Jouer trèfle, éventuellement si mon partenaire a le roi de trèfle, peut-être que ça pourrait créer quelque chose
deux sympas. Je ne sais pas du tout quoi jouer, j'avoue. Instinctivement, j'ai envie de jouer trèfle. Parce que le déclarant pourrait être tenté de faire l'impasse. Après, je peux me retrouver dans une fourchette 3-10 de trèfle, troisième du déclarant, et lui livrer une levée qui lui aurait été précieuse. Qui va lui être précieuse pour la suite. Je sais pas. Ah, ça bug. Alors, attention. Je comprends pas ce qui se passe. Alors là, il y a un bug. Ah oui, il y a un gros gros bug là. Donc je vais quitter et je vais voir ce qui se passe. On va rejouer le tournoi. Voilà, donc ça bug plus maintenant. Donc bah, je vais jouer vite hein, parce que je comprends pas ce qui s'est passé. Allez, on va jouer neutre sur la première donne, on va jouer pique. Alors, le déclarant défausse un carreau, donc il a l'air d'avoir le roi de trèfle, hein, sinon il aurait des perdantes à trèfle à défausser, voilà, c'est confirmé. Sur l'as de pique, j'ai rien vu, le 9 de carreau, ok. Alors, est-ce que je mets le compte à trèfle? Oui, on va le mettre dans un premier temps. Valet de carreau, est-ce que j'ai vraiment des raisons de couvrir? Mon partenaire pourrait avoir la dame sèche, c'est pas le tableau quand même, non. 5 et 2, oui, si, c'est possible. C'est possible, donc on va pas couvrir. Alors, il avait l'air d'en avoir 2 ou 4, un partenaire, au deuxième tour de carreau. Donc, mon partenaire, il a l'air d'avoir 2 carreaux ou 4. Donc, on va continuer de mettre petit. Voilà, il avait. Pourquoi il a jeté la dame? Je ne sais pas. De toute façon, je ne vois pas ce que je peux rejouer d'autre que le roi de carreau. J'ai peut-être mal compté le carreau. As de cœur, on va défausser un carreau. Alors, le déclarant a jeté la dame de trèfle maître. Probablement, il lui reste tout. C'est très bizarre, en tout cas. Pourquoi la dame de trèfle? C'est assez incompréhensible, tout ça. Oui, le déclarant a jeté un trèfle maître. Alors, ça va très vite. Et j'ai pas tout compris, là. Mais bon, c'est bon pour nous, donc on va prendre, on va encaisser. Alors, on fait 86% sur la première donne, et je ne comprends pas pourquoi le déclarant a défaussé sa dame de trèfle maîtresse. Eh bien, ben, vous voyez, hein, de temps en temps, on a de la chance. Donc, 86%, on va les prendre. Alors, j'aimerais bien voir le classement du tournoi. Voilà. Bon, je suis en tête, bien évidemment, avec 86% hein, sur la première donne. Alors, le premier à 67%, ça va. C'est dans ces eaux-là, hein, de toute façon, qu'on gagne un tournoi en général vers 67%. Alors, il y a du beau monde. Hein, là, on voit un membre de l'équipe de France Junior, un ex-membre de l'équipe de France. Alors, Ziyamamoud, il est là. Il a fait 61%, donc il s'est amélioré hein, par rapport à son premier tournoi où il avait fait 58, ben c'est normal hein, parce qu'il avait jamais vraiment joué contre FunBridge, il jouait très peu hein, donc là je pense qu'il a commencé à comprendre un peu quels sont les atouts et les faiblesses de Argin, donc ce sera de plus en plus difficile de battre. Alors il y a beaucoup de bons joueurs hein, Picarec par exemple, un très bon joueur belge. Unvite, ça c'est un très bon joueur norvégien. Alors je les connais pas tous, mais il y a du niveau. Il y a du niveau, donc bah, on va essayer de s'appliquer. Et puis on a eu du bol sur la première donne, donc on va continuer. Alors, donne suivante. Un trèfle, j'ai rien, donc c'est facile, je vais passer. Trèfle, un pic de trèfle, j'ai pas plus que tout à l'heure.
de cœur. Alors pourquoi il alerte? Oui, c'est naturel, hein, de cœur. C'est naturel et forcing. Contrairement à la troisième couleur de deux carreaux qui serait totalement artificielle. Alors, deux piques, c'est probablement deux cartes ou trois cartes. D'accord. Et c'est non forcing. Ok. Alors, le déclarant a l'air d'avoir 5 piques, 4 cœurs et l'ouverture. Donc, on va laisser le partenaire entamer. Alors, on fait le point. Alors, je vais peut-être changer, mettre ça ici. Hop. On tamasse deux carreaux. Donc, un mort sans surprise. A priori, on va faire As-Roi de carreau et l'As de pique. L'as de cœur, si le partenaire a le valet de pique, ça devrait chuter naturellement. On espère juste que le partenaire va pas jouer de trèfle. Bon, on n'est pas dans une situation d'appel refus là sur l'as, on est plutôt dans une situation de parité. Donc je vais mettre le 2 et on va voir ce qui se passe. Voilà, très bien. Bon, on va continuer dans la parité. Est-ce qu'il pourrait prendre ça pour un appel maintenant de préférence à trèfle? Je ne sais pas. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe en défense. Peut-être que mettre le 8, ça pourrait encourager mon partenaire à rejouer cœur, puisqu'il ne va pas rejouer carreau. On ne voit pas trop pourquoi il en jouerait trèfle non plus, hein, mais bon. On va mettre le 8, on ne sait jamais. Si c'est un appel de préférence pour les cœurs, c'est parfait. Voilà, on rejoue cœur pour l'as. Alors là, a priori, j'ai pas d'intérêt à rejouer carreau, je pense pas, puisque je vais faire couper avec le 2 de pique. Donc je vais rejouer cœur. Ça m'étonnerait que mon partenaire ait le roi de cœur, parce qu'il faut quand même que le déclarant ait du jeu. Hein, s'il a as valet de pique, la dame de cœur 7. Dame valet de trèfle, ça ferait 10, donc le déclarant a forcément le roi de cœur. Donc finalement, cœur, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je ne crois pas. As valet de pique, dame de cœur 7, dame valet de trèfle 10, il aurait probablement pas imposé la manche. Donc mon partenaire n'a pas le roi de cœur. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intelligent? Les trèfles ont l'air maîtres. Alors si mon partenaire a dame valet de trèfle troisième, ou dame de trèfle troisième, peut-être qu'on rejoint carreau pour forcer le mort à couper. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, oh là là. C'est là. Alors dès que je réfléchis un peu trop longtemps, ça va pas. Donc, je sais pas comment on va pouvoir continuer cette vidéo. Alors, j'ai téléchargé une. Je viens de télécharger une mise à jour. Donc, peut-être qu'elle s'est mal téléchargée. Je sais pas. Alors, il est où mon tournoi? En cours. Hop. Donne suivante. Donc, j'étais en train de dire que mon partenaire n'a pas le roi de cœur, donc il n'y a pas d'intérêt à jouer cœur. Je vais peut-être tenter quelque chose de bizarre. Je vais jouer carreau. Voilà. Instinctivement, j'ai l'impression que ça peut créer quelque chose. Voilà, c'est coupé des fausses, hein. Alors là, il n'y a pas d'intérêt à mettre autre chose qu'un gros. Peut-être j'aurais pu mettre la dame pour créer aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, ça marche. Cœur demandé. Oui, bon, le déclarant à tout mettre. Hein. Donc, à part le valet de pique, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. On va juste espérer que le partenaire ait le valet de pique, ce qui est probable, hein, puisque voilà, le déclarant n'a pas fait l'impasse.
Donc mon partenaire a le valet de pique, c'est la chute, très bien. J'ai pas l'impression qu'on ait fait de bêtises sur ce coup-là, et on va continuer. Donc on a fait la moyenne, tout est normal, hein, tout le monde a dû jouer 4 piques moins 1. Alors on va espérer que... Du coup on va être obligé de jouer vite, hein, sinon ça va bugger souvent. Alors un sans atout avec 17 points d'honneur. Deux trèfles Stéman, deux piques, j'ai 4 cartes à pique. Deux sans atout proposition, j'ai 17 points, je conclue. Voilà. Et on va voir si on peut jouer plus vite. Puisque apparemment, aujourd'hui, Funbridge n'aime pas que je prenne mon temps. Eh bien, on va essayer de jouer vite, on va jouer plus mal du coup. Alors, je fais mon plan de jeu, 4 levées de cœur. L'as de pique 5, as-roi de carreau, ça fait 7. Les piques vont m'apporter 2 piques plus qui font 9. Donc a priori, on va commencer par l'impasse à pique. Et si elle marche, on ne devrait pas avoir le temps d'affranchir une surlevée à trèfle, puisque les adversaires vont m'ouvrir les carreaux entre-temps. Donc la question c'est est-ce que je donne le roi de pique? Ou est-ce que je tire d'abord 4 tours de cœur, mais si je tire 4 tours de cœur, je vais défausser un trèfle. Et je me mets en difficulté. Je me mets même en position de chute. Donc peut-être que tout simplement, il faut prendre du roi de carreau, je pique vers le 10, ce qui m'assure 9 levées. Et puis dans le pire des cas, je perdrai 3 trèfles et le roi de pique. Parce que si... Ah bah ça c'est reparti, là c'est moi qui joue. Je sais pas pourquoi, oui, je comprends pas ce qui se passe là. Bon. Hop. Oui, ce que je disais, c'est que si je tire 4 tours de cœur, je sais pas quoi défausser, et si, peut-être il faut prendre de l'as de carreau pour faire l'impasse pique. C'est le mieux. C'est le mieux. Pas de raison de laisser passer à carreau. On va faire ça. De toute façon, apparemment, il faut jouer vite aujourd'hui. Hop, le 10 de pique. On a mis le 2 de carreau à droite. Les carreaux ont l'air d'être 4-3. Hop. Alors, j'ai réussi l'impasse pique. Je suis à la tête de 9 levées. Maintenant, peut-être que je peux espérer en trouver une dixième. Alors, soit je tire 4 tours de cœur en espérant une faute des adversaires qui se défausseraient dans la langue à pique. Je peux jouer la dame de trèfle aussi, peut-être. Parce que c'est toujours pareil, si je tire 4 tours de cœur, je ne saurais pas quoi défausser, je ne pourrais pas rendre la main. On va jouer la dame de trèfle, on ne sait jamais, hein, des fois. Des fois, il nous la laisse. Des fois, il tire as-roi valet de trèfle, ce qui m'arrangerait bien. S'il me tire as-roi valet de trèfle, je vais faire une levée de mieux. Voilà. Donc, on va jouer la dame de trèfle. Des fois, ils écrasent. Voilà. Bon, c'était pour temporiser, hein. Bon, malheureusement, il rejoue carreau, comme prévu. On va prendre le roi et on va tirer les cœurs et on va faire probablement que 9 levées. Alors, il défausse pas les piques, il défausse les trèfles. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Il communique encore à carreau. Donc, je vois pas comment voler une levée sur ce coup-là. Donc, je vais encaisser mes levées.
Et bon, à moins qu'il fasse une grosse cagade, ce sera 9 levées pour une note moyenne probablement, hein, puisqu'on pouvait difficilement faire moins que 9 levées, surtout que le valet de trèfle était placé, donc j'aurais pu peut-être tenter quelque chose à trèfle. Ça, normalement, ça marchait pas, mais bon, peut-être que la défense aurait été plus sympathique si j'avais joué trèfle. Voilà, la moyenne, hein, tout est normal, et on passe à la donne suivante. Alors, l'objectif, c'est toujours de faire au-dessus de Ziyamamout, donc 61%. Donc, si on marque que des moyennes, ça va pas être bon. Mais bon, sur ces deux dernières donnes, on ne voyait pas trop quoi faire. Un pique, un sans atout. 4 cœurs, donc 5-5 probablement. Ok, 4 sans atout, très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un black wood à l'atout cœur. Ok. Alors ça nous plaît pas trop parce qu'on a le roi de pique qui est soumis, hein, probablement. Mais en même temps, avec cingle ton cœur, peut-être que le partenaire a une levée de cœur, on sait jamais. Hein. Mais probablement celui qui pose le black wood là, il doit avoir un gros fit à cœur. Donc. Alors, c'est pas à moi d'entamer, ça tombe très bien, parce que je ne savais pas quoi entamer. Alors, sur entame du roi de trèfle, il va falloir que je réfléchisse vite. J'ai envie de. Je vais mettre le 8. Mon partenaire est assez grand pour comprendre que j'ai l'as, hein, quand il va faire la levée du roi, et pour switcher carreau si le déclarant est 5 de ton trèfle. Ah bah c'est coupé déjà. Donc c'est mal barré. Mon partenaire qui met le 2 de carreau, c'est probablement pas un singleton. Il l'aurait peut-être entamé. Je parierais pour un valet second. Ce qui voudrait dire que le déclarant est. Allez, je vais faire un truc bizarre, je vais mettre un faux compte. Peut-être ça peut faire prendre une ligne. Alors, mon partenaire, lui, il a l'air d'avoir deux cartes à pique. Ou quatre, non, il a l'air d'avoir quatre cartes à pique. Ce qui voudrait dire que le déclarant a six cartes à cœur. Si mon partenaire a bien le valet de carreau second. Donc, pour l'instant, on ne voit pas trop comment ça va chuter ce coup-là. Bon, on assume le fait qu'on pense que le partenaire a le valet de carreau second, valet de carreau troisième. Alors le déclarant est chicane trèfle et singleton carreau, ce qui lui fait un 7-5, puisque le partenaire a l'air d'avoir 4 cartes à. Donc le déclarant aurait 7 cartes à cœur. Bah, ça va pas chuter, hein. On a même plutôt l'impression qu'il va faire plus 1. Combien il a dit qu'il avait de clés? 5 trèfles, il a une chicane, c'est une donne bizarre. Bon, nous on n'a rien à faire en tout cas, hein, donc comme on n'a rien à faire, ben on va attendre la fin de la donne pour compter les points. Voilà, alors est-ce qu'il y a un intérêt à prendre de l'as de trèfle? Je ne crois pas. Et peut-être que mon partenaire a le roi de cœur. Je ne sais pas, le déclarant a dit qu'il avait l'as de cœur. Et le roi de cœur a l'as de pique, donc il va faire 7. C'est ça. Il fait le reste. Beau 6-6 chez le déclarant. Alors on marque 42%. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'il n'y avait rien à faire sur cette donne. Bon. Et en plus, ils n'ont pas eu le grand chelem. On n'y peut rien. On continue. Donne suivante. 16, 17, 17 points d'honneur. Alors, quand j'ai le carré d'as, moi j'ai tendance à me rajouter un point. Donc, c'est peut-être le moment, là, après trois coups moyens, d'essayer de se rapprocher du haut du panier. Donc, je vais assimiler cette main à 18 points d'honneur.
parce que j'ai 4 as. J'aime bien avoir carré d'as. Donc je me rajoute un point et je vais faire comme si j'ai 18. Donc ça va créer un écart, certainement, en espérant que ce soit dans le bon sens. Alors l'écart n'est pas celui que je pensais, puisque mon partenaire n'a rien. Donc aux autres tables, ça va probablement se passer un 5 à tout passe. Alors, je vais dire qu'on d'appel. Voilà. Ça va probablement se passer un saint à tout passe. Et vulnérable, peut-être que je vais pas faire beaucoup de levées. Alors là, maintenant, sur deux cœurs, est-ce que je réveille? Sachant que j'ai déjà annoncé une main forte, je peux réveiller quand même. Ils se sont fuités à cœur. Laisser jouer deux cœurs avec double ton cœur. Ils sont verts. C'est quand même pas très engageant. Allez, on va réveiller, mais on est rouge. Donc, si le partenaire dit pas de pique, il y a un risque. Il y a un risque qu'on soit trop haut. Bon, heureusement, il a 4 cartes à pique, donc a priori, on a bien fait de réveiller. Voilà. Alors, probablement, oh non, il a 3 cartes à pique, quelle horreur. Ça tombe très mal, tout ça. Bon, sauf que ça va probablement se passer un 100 à tout passe aux autres tables. Et ici, on va peut-être se tromper d'entame, puisque c'est Est qui a 5 cartes à cœur. Donc le partenaire qui n'a que 3 cartes, c'était la distribution horrible, hein. J'aurais dû passer peut-être sur 2 cœurs, mais peut-être qu'à 2 cœurs égal, on était déjà dans un mauvais coup. Donc tout ça, ça va pas être bon. Bon, il y a une entame favorable. Alors est-ce qu'il est capable d'avoir entamé son roi de trèfle second, monsieur Est? Oui, il a déjà 5 cartes à cœur. Il a entamé le roi de trèfle sans avoir l'as de cœur, donc il est tout à fait possible que son roi de trèfle soit court. Donc on va le prendre, on va pas s'amuser à laisser passer. Et peut-être qu'il va falloir jouer as de pique et pique. Alors le 8 de trèfle à droite. Le 8 de trèfle à droite. Les trèfles ont l'air d'être 4-2. Est-ce que j'ouvre d'abord? Non, la coupe à cœur, ça sert à rien. Je vais jouer as de pique et pique. Oui, ça me paraît pas mal. Pas trop le choix là. On va prier pour que les piques soient. Pour que les piques soient 3-3. Sinon ça va être dur. Alors, le roi de pique, c'est pas forcément une bonne nouvelle, il peut avoir roi valet sec. 2, le 9. Ce serait dame valet 9, 4e. Cœur. Ça nous arrange moyen. Si on met l'as de cœur et qu'on joue pique et que les piques sont 4-2, ça va être horrible. Ils vont battre les atouts, ils vont. Donc on va laisser passer parce que ça coûte rien de laisser passer. C'est jamais. Bon, et malheureusement, ils en rejouent. Alors, là, si je rejoue à tout, même s'ils sont 3-3, ils vont rejouer cœur, je vais me faire couper. Et puis, je n'aurai toujours pas rendu la main à trèfle. Donc je vais jouer trèfle. Ils vont rejouer cœur, je vais couper, ça va être horrible. Bon, de toute façon, on est dans le sale drap. Alors, il m'a mis le 8 et le 3, ça voudrait dire qu'il y a soit Roi-Dame 9 quatrième à gauche, soit Roi-Dame sec. De toute façon, je pourrais toujours faire éventuellement la passe sur le 9. Donc, je vais mettre le 10. Et là, s'il manque As, Dame, Valet de pique et tous les cœurs, on prendra un 0. On prendra un 0. Ah, Roi de cœur. On est un peu obligé de couper. Pas le choix.
Alors on sait que la dame de pique est à gauche, donc on peut pas jouer à tout. C'est pas possible, sinon on va perdre. Si on joue à tout, S2S t'as déjà fait 3 levées, même si les piques sont 3-3, on va perdre une quatrième levée, plus 2 levées de cœur, on va faire 1 de chute. Est-ce qu'on sauve les meubles à 1 de chute contre éventuel 2 cœurs égales? Peut-être. Si je joue trèfle, comme ils sont 4-2, soit le 9 est là, je vais le prendre en impasse. Parce que j'ai une fourchette valet 5. Il va couper. Bon, s'il a 2 atouts, là je suis à 3, 2 de chute, je prends le 0. Donc, grosso modo, il faut que les piques soient 3-3. Donc, trèfle, il va couper. Ils vont dédoubler leurs atouts. Mais, la bonne nouvelle, c'est que je perdrai peut-être. Je perdrai un pic de plus, mais peut-être que je perdrai 2 cœurs de moins. Donc, il me semble que le jeu juste, c'est trèfle. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, j'ai perdu la connexion. Alors, pourquoi? Est-ce que ça va revenir? Normalement, ça revient. Hop là! On va attendre un petit peu. Alors, toujours pas de connexion. Là, j'avoue que je comprends pas ce qui se passe. Donc, je vais. Je vais regarder sur mon portable si c'est Funrich qui est en maintenance ou si c'est mon ordinateur qui a perdu la connexion. Ah, ok, j'ai été déconnecté parce que mon compte est utilisé sur une autre machine. Ok, donc je vais éteindre là. Ok, et là je me reconnecte. Voilà, ça marche. Jouer un tournoi. Bon, il y a des jours comme ça. Hein. Point Funbridge. Alors, il était où mon tournoi? C'était mon tournoi du. Reprendre. Voilà, mon tournoi du 15 mars. Alors, j'étais en train de jouer trèfle. Donc, je vais rejouer trèfle. Et là. Alors là, il faut faire l'impasse. Donc, j'ai dit, j'avais une fourchette valet 5 sur 9-4. Il faut faire l'impasse en espérant voir la dame de pique arriver. Voilà. Donc maintenant, s'il n'a pas le valet de pique à gauche, j'ai une chance. Puisque j'ai perdu 4 levées, et si je m'en sors à 2 piques égales, le miracle va arriver. Alors, comment manier les carreaux? Comment manier les carreaux? Bah, je vais jouer qu'il y a soit la dame, soit le 10 à gauche. À gauche, il y a 3 piques, 5 cœurs. Les carreaux sont 3-3. Il y a 5 cœurs. 3 piques, les piques étaient 3-3, double ton trèfle, il vient de me couper, il a 3 cartes à carreau, donc je vais faire la double impasse à carreau. Et là, si la double impasse à carreau marche, j'ai gagné. Et je vais peut-être sauver finalement, oui, ça, je m'en sors pas si mal. Hein. Je vais sauver peut-être à 110 en 4 et 3, je vais peut-être sauver un bon coup, alors que c'était vraiment très très mal engagé. Donc, bah, j'ai hâte de voir le score. Parce que ce 2 piques vulnérable en 4 et 3, où j'aurais pu faire 3 de chute avec le pique 4-2, et j'ai plutôt bien joué avec cette fourchette à trèfle, la valet 5, pour m'en sortir à égal.
Voilà, 93, alors on est passé par le zéro et on arrive au top. Donc vous voyez, ça c'est le bridge. Il faut pas s'énerver. Même quand il y a des problèmes de connexion, qu'on se retrouve à jouer deux piques en 4 et 3 vulnérables. Ben finalement, hein, on fait de son mieux et puis la roue peut tourner. Donc donne suivante. Alors on est repassé à 65%. Donc heureusement, grâce à cette donne. Ben on a un peu d'air, donc on va retourner dans un bridge plus classique. Alors, un sans atout, 10 points d'honneur, 4-3-3-3, ça, quelle que soit votre forme de bridge. 3 sans atout, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Et on va jouer 3 sans atout. Alors, 3 levées de cœur, 2 levées de pique 5, je vais affranchir les carreaux, j'en devrais en faire 3, ça fait 8, et l'as de trèfle, 9. Bon, je vais jouer carreau. Le problème, ça va être si on me trouve le flanc trèfle. Si on me trouve le flanc trèfle, est-ce que je vais avoir le courage de faire l'impasse pique ou pas? Alors, si je jouais contre un être humain, je pense que j'aurais mis l'as de cœur du mort pour faire croire que j'ai pas de fourchette et j'aurais fait l'impasse pique. Et ils vont toujours rejouer cœur. Parce qu'ils ne vont pas imaginer que j'ai pas laissé filer vers Roi-Valet. Et du coup, même si l'impasse pique rate, j'aurai le temps d'affranchir les carreaux, et ceci, cela. Alors là, le problème, c'est que je joue contre un ordinateur, et je ne comprends pas toujours les coups psychologiques contre l'ordinateur. C'est à double tranchant. Et si je mets l'as de cœur, que je fais l'impasse pique, et qu'il me trouve le switch trèfle, là, ça va être la catastrophe. Donc, comme on est bien, je vais pas faire ce que j'aurais fait certainement à une table de bridge normale. J'aurais tenté un coup psychologique en mettant l'as de cœur pour faire l'impasse pique. Mais je vais essayer de deviner en hein, fin de coup. Alors, comment jouer les carreaux pour pas qu'il me trouve le flanc trèfle? Il y a quand même as-10 de trèfle au mort. Hein, donc, si celui-là a un honneur à trèfle, il aura du mal à me rejouer dedans. Et si celui-là, il a un honneur à trèfle aussi, à moins qu'il ait roi dame valet, il va avoir du mal à me rejouer trèfle. Donc, on va jouer de manière classique. On laisse venir vers la fourchette. Et puis, on va jouer un honneur à carreau. Alors, bon, ça marche pas ce que je voulais. Vous voyez, hein, j'aurais peut-être mieux fait de faire l'impasse pique. Ce que je regrettais est arrivé. Ils ont trouvé le flanc trèfle. Donc maintenant, si l'impasse pique fonctionne, j'ai 4 levées de pique, 3 levées de cœur, 7. Probablement 3 levées à carreau, ça fait 10. Et l'as de trèfle, ça fait 11. Donc je peux me permettre de laisser passer une fois les trèfles. Si l'impasse pique fonctionne, je ne perds pas de levée. J'en ferai 11 quand même. Donc je vais temporiser un peu, je fais laisser passer, des fois qu'il en rejoue pas, ce serait bien, merci monsieur. Ah bah très bien, il n'en rejoue pas, bah, probablement il avait Roi Dame Valet 5ème, hein, et en fait du coup il n'y a pas de reprise. Donc pique maintenant, bon j'ai envie de faire la passe tout de suite, hein. Ce sera réglé. Alors, est-ce que je peux inventer autre chose que l'impasse? Est-ce que la dame de pique peut être sèche? Oui, peut-être. As de pique, si la dame est sèche, je remonte en mort à l'as de cœur, je fais l'impasse pique, et si ça marche, c'est pareil. Si ça marche pas, peut-être l'as de pique, seul intérêt, c'est pour la dame sèche. Alors, dame sèche, j'y crois pas trop, parce que ça voudrait dire qu'il y en ait 5 à droite, et ils m'auraient bien sûr joué le 2 de pique avec 5 cartes à pique. Ouais, puisque Argin met la parité presque de manière systématique. Donc la dame 16, j'y crois pas trop. Donc on va peut-être pas mettre l'as de pique. On va mettre petit. Je pense pas que. La dame seconde, je trouverai pas. J'ai pas de raison de deviner que la dame est seconde. Donc on va faire l'impasse. Et on va tabler ensuite assez rapidement. Ah, ben voilà qui est bien. Une impasse qui marche. Bon, on va la refaire. Hein. On va la refaire. Alors maintenant, le seul problème qu'il pourrait y avoir, ce serait les carreaux 4-1.
Donc on va essayer de compter les mains. À gauche, je pense qu'il a que deux cartes à trèfle, sinon on aurait continué avec le flanc trèfle. Donc il avait l'air d'avoir cinq cartes à cœur, deux cartes à pique. Donc il a deux piques, deux trèfles, cinq cœurs. S'il y a quatre carreaux, je parierais plutôt pour à gauche. Donc on va tirer le roi de pique. Bah, on va jouer le valet de carreau. Alors, si les 4 carreaux sont à gauche, je lui prends son 10 de carreau en impasse, en jouant le valet de carreau. Si les 4 carreaux sont à droite, il faudrait en fait que je joue carreau la dame. Oui, de toute façon, je lui prendrai son 10 aussi. Bon, je les vois plutôt à gauche, hein. Je pense qu'il a 5 cœurs, 2 trèfles, 2 piques et 4 carreaux. Donc, je vais jouer le valet de carreau. Ah bah, voilà, le 10 de carreau tombe. Bon, c'était pas comme je pensais, mais je vais pouvoir tabler quand même. Il faut avoir la main pour. Oui, ben oui, j'ai la main. Donc je vais tabler pour 300 atouts plus 2, ce qui devrait être 60%, je pense. 73, ben, on le prend. On ne peut pas faire mieux, en fait. Hein, donc c'est bien. Alors, on est à 66%. On n'a joué que 6 donnes, hein, donc il ne faut pas s'emballer. Mais ça démarre plutôt bien. Donne suivante. Alors, j'ai rien. Donc ça, c'est facile. Je passe. Un sans atout passe, j'ai 7 points, j'ai pas de raison de faire une enchère. De cœur. Ah, alors ça j'aime pas. J'aime pas parce qu'il est non vulnérable, il a l'air d'avoir trouvé un bon fit à cœur. Alors si je compte ses appels, et d'appel indique un soutien, voilà, bah, je vais faire un compte d'appel parce que j'ai pas envie de laisser jouer de cœur. Je pense pas que s'il gagne de cœur, eh ben, je vais peut-être marquer un mauvais coup parce qu'il aura gagné son contrat. S'il chute de cœur de 1, bah, peut-être que je faisais un 5 à tout égal. Donc voilà, ça me plaît pas trop. Donc je vais réveiller par contre. Si mon partenaire dit 2 piques, ce sera pas si mal parce qu'on aura trouvé un fit 4 et 3 à pique. On a vu que ça nous réussissait aujourd'hui, les fit 4 et 3 à pique. Ah, alors il a passé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a 4 cartes à cœur derrière, et comme j'ai 7 points d'honneur, ça veut dire que le déclarant va peut-être chuter de 2. Donc la bonne nouvelle, c'est ça. Bah, pas du tout. Il y a 3 cartes à cœur au mort. Bon, c'est affreux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir jouer cœur très vite pour tuer le mort en fait. Donc on va surprendre la dame de carreau du roi en espérant que notre cher partenaire n'invoque pas les entames dans les dames secondes, comme il a l'habitude de le faire, parce que là ce serait la catastrophe. La dame de carreau, le roi, l'as, valet de carreau, carreau coupé, ce serait horrible s'il avait la dame de carreau en seconde. En même temps, je crois pas, parce que apparemment il a que 3 cartes à cœur, il n'a pas 4 cartes à pique, sinon, il aurait dit 2 piques, vraisemblablement, hein, plutôt que de transformer le contre. S'il a que 2 cartes à carreau, ça veut dire qu'il a au moins 5 cartes à trèfle. Et s'il a 5 cartes à trèfle, il est autorisé aussi à dire 3 trèfles sur le contre. Hein. Donc, il n'a pas bien entamé, mais je pense qu'il a Dame Valet quand même. Donc, on devrait pas faire un coup grotesque si le déclarant a ce valet de carreau quatrième. Mais bon, l'urgence, c'est vraiment d'essayer de jouer à tout. Donc il faut que je prenne la main, puisque mon partenaire, apparemment, il n'est pas capable de jouer à tout tout seul. Donc on va essayer de l'aider un peu. En espérant qu'il ne mette pas le valet de carreau hein, sur le retour carreau. Le 8, le 6, c'est bien. Voilà. Donc on prend du 9. Voilà. Si on avait mis petit carreau sur la dame, le déclarant aurait pu le laisser passer. Alors là, si le déclarant a ce dame de cœur troisième, c'est idéal, bien évidemment. Bon, il l'a pas. Bon, le partenaire a l'air d'avoir trois dames de cœur, donc ça c'est pas mal. On va mettre le paire impair à pique. Donc ça, c'est vraiment pour qu'il sache quand est-ce qu'il doit jouer son as de pique. Alors le problème, c'est que
Est-ce que ça peut avoir un intérêt garder le valet de pique troisième? Bon, je vais mettre le paire impair à pique parce que normalement le paire impair, mon partenaire, il maîtrise. Ah. En espérant qu'il ait compris. J'aurais peut-être dû mettre le valet là d'ailleurs, hein, parce qu'il serait capable de rejouer pique, mon idiot de partenaire. En espérant que mon partenaire ait compris que j'ai mis paire impair à pique et que là, s'il me sort un pique, c'est pas bon. Alors, ça a l'air d'être bien. Le valet, le roi. Mon partenaire a l'air d'en avoir 4. Donc, on va simplifier le coup en jouant la dame de trèfle. Donc, le déclarant, il avait 4 trèfles, 3 carreaux, un pique et 5 cœurs. Voilà. Donc finalement, on a fait le bon flanc et j'ai l'impression que de chute, ça c'est pas si mal. C'est pas si mal, de chute. Voilà, 94%. Ah non, 2 de chute. Oh, j'avais même mal compté. 94%, donc on a fait les bonnes enchères, on a fait le bon flanc, on les a comptés pour 2 chutes. Très bien. Nous voilà à 70%. Le classement, je vous dis, hein, c'est toujours 67, monsieur Gino Bilova. Allez, hop, on va enchaîner sur cette bonne dynamique. Bon, on n'est même pas à la moitié du tournoi, donc il ne faut pas s'enflammer non plus. Alors, un sans atout passe. Bon, ça, je sais le faire. 10 points d'honneur, 4-3-3-3, pas de majeur. Un sans atout. Très bien. 4 de cœur. Alors, on devrait passer le 10. Le bon cas à passer petit, c'est valet 9-8, dame 9-8 à gauche. Ça va pousser un honneur et ensuite j'ai la fourchette As-10. Le bon cas à passer le 10, c'est dame valet sans le 9. Et est-ce qu'avec dame valet 8, normalement, il n'entame pas la dame? Donc, quel est le plus probable? 4. Je ne sais pas. Bon, l'avantage de passer le 10, c'est que s'il entame sous dame valet, vous faites la levée de suite. Si vous passez petit, que ça pousse au 9, que vous mettez le roi, que ça pousse au valet et que vous mettez le roi, oui, a priori, il entame 4e meilleur, donc il a un honneur. Donc, si vous mettez petit et qu'on met un honneur, vous pourrez refaire l'impasse tranquillement aussi. La question est, est-ce qu'il a plus souvent valet 9-8, dame 9-8 ou éventuellement une erreur chez celui-là qui mettrait la dame dans dame 8 par exemple. Parce que si son partenaire a roi valet, quand vous jouez un petit et qu'il a dame 8, il est obligé de mettre la dame. Parce que, enfin, il est obligé. Il est de bon ton de mettre la dame pour pas que je puisse faire un pli dans le 9 secondes. Je connais pas par cœur ces statistiques-là. Ce serait bien que j'y réfléchisse. J'ai envie de dire que petit, c'est peut-être le mieux. Parce que j'ai le 7. Donc valet 9-8 à gauche, dame 9-8 à gauche, ça me permettra de faire 3 plis à cœur. Et si je fais une faute, à mettre la dame dans dame 8 ou le valet dans valet 8, je vais aussi faire 3 plis à cœur. Donc je vais mettre petit, et s'il y avait dame valet à gauche, j'ai passé la mauvaise. Bon, apparemment, en tout cas, j'ai pas passé la bonne, ça c'est sûr. Donc on va prendre, hein. De toute façon, on ne peut pas se permettre de laisser la main pour qu'il nous fasse le flanc pique. Donc si j'ai passé la bonne, la mauvaise, parce qu'il y a dame valet de cœur à gauche, je suis probablement dans un très mauvais coup. Bon, bah ça, on pouvait pas forcément l'anticiper. Donc on va tirer les carreaux et on va voir ce qui se passe. J'ai 4 levées de carreaux, 2 levées de trèfle, 2 levées de cœur, ça fait 8. Mon contrat n'est toujours pas. N'est toujours pas assuré. Est-ce qu'il faudrait que je temporise éventuellement en jouant pique? On va encaisser les carreaux, on va voir ce qui se passe. Alors, le 2 de cœur.
Les cœurs ont l'air d'être 4 et 4. Donc ça, en fait, ça, ce qu'il faudrait, ce serait qu'il défausse un pique dans 4 cartes, ce qui m'aiderait peut-être à faire mes trèfles. Ou alors je joue As Roi de trèfle et trèfle en espérant soit la dame de trèfle seconde, soit les trèfles 3-3, soit qu'ils réussissent pas à encaisser leur pique. Alors si je joue carreau pour la dame et que je joue As Roi de trèfle et trèfle, normalement ils réussissent toujours à encaisser leur pique. Surtout Argin là, qui joue tout à carte ouverte en fin de coup. Donc peut-être que la faire défausser encore une fois, c'est une bonne chose. Ah, un pique, ça c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, j'ai deux options. Il m'a défaussé un trèfle à gauche. Donc la dame de trèfle seconde, j'y crois pas trop. Quoique c'est le 8, il pourrait avoir 4 cartes à trèfle. Alors, à gauche, il avait 3 carreaux. Il semblerait qu'il ait 4 cartes à trèfle. Il peut avoir 19-8 à trèfle aussi. C'est pas forcément 4 cartes à trèfle. D'ailleurs, s'il avait 19-8 de trèfle, il faudrait que je monte au mort à l'as de cœur pour que je le valet de trèfle. Pour prendre la dame en impasse, ça marcherait. Bon, ça c'est trop difficile pour moi. J'ai pas le compte des piques. S'il a 4 trèfles à gauche, il a l'air d'avoir 4 cœurs, 3 carreaux, 4 trèfles, 4 cœurs, 3 carreaux et 2 piques. Ça veut dire que j'ai 5 piques à perdre et un trèfle, je risque de faire 2 de chute. Si je donne la dame de trèfle, s'il a 3 trèfles, soit il a donc 3 trèfles, 3 carreaux, 4 cœurs et 3 piques. Oui, s'il a. Alors ce que je peux faire, c'est tirer le roi de trèfle et suivant la carte que je vois à gauche, essayer de me faire une idée. Alors le 9. J'ai l'impression qu'il a 19-8. Parce qu'avec dame 19. Il m'aurait filé le coup en défaussant un trèfle dans Dame 19. Donc je vais jouer qu'il a 19-8. Je vais monter au mort à l'as de cœur. Je vais jouer le valet de trèfle en faisant ce qu'on appelle un buffalo. Pour la dame, le roi et le 10 qui s'écrasent et mon 7 va devenir maître. Et ça me permettrait de récupérer le top. Donc ça, c'est une option à la fois crédible. Qui me permet de prendre un très très bon coup. Et puis si ça marche pas, ben, je prendrai un mauvais coup. Ouais. S'il m'a défaussé le 9 de trèfle dans Dame 19, ben, je me suis fait avoir. Mais je pense qu'il aura beaucoup plus souvent 19-8 que Dame 19. Ah, ben voilà. Bon, alors là, je pense qu'on va prendre un bon coup. Parce qu'on a réussi à faire 4 levées de trèfle. Et apparemment, il n'y avait pas Dame Valet de cœur placée. Puisqu'il n'a pas intercalé à gauche, donc ça sent le top. Et on donne le reste. Donc 10 levées, à mon avis, celui-là, il va le valoir au moins 90%. Donc là, on commence à avoir un petit matelas. Mais bon, on va continuer de s'appliquer. Alors, sud, 14 points, 6 beaux cœurs. Bon, voilà, cœur. Alors, un cœur de carreau contre ses d'appel. Moi, personnellement, j'ai pas envie de faire l'intellectuel. Alors, si je dis 3 cœurs, il m'explique que c'est non-forcing. J'ai 5 letons carreaux, j'ai 14 points magnifiques, j'ai envie d'imposer l'as tout cœur. Donc, bon, il me dit que ça vaut 17 points, ça, 4 cœurs, mais que 3 cœurs, ça vaut 16 à 18.
J'ai besoin de rien hein, pour gagner cette manche. Voilà. Normalement, je devrais dire 3 cœurs. Et déjà, je surbite en disant 3 cœurs. On va dire 3 cœurs. On va lui faire confiance. Ah, il me dit 3 piques. Bon, c'était l'avantage de dire 3 cœurs, c'est que si mon partenaire, après tout, il a 5 beaux piques, ou 6 beaux piques, il vaut mieux jouer à pique, puisque vous avez coupé les carreaux de la main courte. Et puis peut-être que votre partenaire a 2 petits cœurs, si les cœurs sont 4-1, ou même parfois il a 5 autres cœurs. Donc, bon, ben bah voilà, hein, naturel, il a 5 ou 6 cartes à pique, on va donner le quitte. Mais peut-être qu'il fallait jouer 4 cœurs aussi. Ses piques sont pas beaux. Bon, il a 6 piques, 5 de ton cœur. On a bien fait de ne pas dire 4 cœurs. Donc, on est plutôt inspiré là sur ce tournoi. Donc, il faut pas s'enflammer et il faut essayer de faire un beau résultat. Alors, comment jouer 4 piques? Alors, il y a une ligne de jeu qui est quand même très très simple. C'est As de carreau, carreau coupé. Et ensuite, on défile tous les cœurs. Roi de pique, As de pique. On défile tous les cœurs. Si les piques sont de 2, on n'a pas besoin de couper le carreau tout de suite, en fait. Puisque, de toute façon, pour en couper 15, on ne peut pas revenir en main. Ou alors, on prend l'as de carreau et on tire As-3-dame de cœur, en essayant de voir la parité, en défilant les trèfles. Si celui-là, il coupe, à droite, on aura des options. Donc soit je vais pas couper le carreau de suite, ça c'est sûr, je vais jouer As de carreau, Roi de pique, As de pique, As, Roi, Dame de cœur, je vais défausser mes trèfles, ça c'est une option. Si les cœurs continuent de rouler, je continue de défausser mes trèfles. Et puis ils couperont quand ils auront envie de couper, si les piques sont 3-1. Donc la première option c'est As de carreau, Roi de pique, As de pique et tous les cœurs. L'autre option, c'est As de carreau et tous les cœurs. Alors, l'avantage de jouer As de carreau et tous les cœurs, c'est que si celui-là, il a 3 atouts et 2 cartes à cœur, on va jouer une carte, sinon il va pas être content. Il va me faire comme tout à l'heure. Donc, ce que je disais, c'est que si celui-là, il a 3 atouts et 2 cartes à cœur, en jouant As, Roi, Dame de cœur, il va me couper certainement. Je vais surcouper. Je remonte au mort à l'as de pique. Je rejoue cœur. S'il coupe, il le fait dans le vide, probablement avec salvé d'atout naturel. Et je vais encore défausser. Je vais défausser une deuxième fois. Donc je vais perdre un atout et un trèfle. Alors que si je joue As-Roi de pique, As-Roi Dame de cœur. Il coupe maître, je vais perdre un trèfle. Et puis je pourrais couper qu'un seul carreau. Oui, je vais perdre. Voilà. Donc en fait, si tout va bien, il faut tirer As-Roi de pique et les cœurs. Ça, c'est pas mal. S'il y a 2 cœurs et 3 piques à droite, probablement il faut commencer par les cœurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cœur et je vais essayer de regarder les parités avec cœur. Ah, elles ont l'air d'être 3-3. Bon, apparemment ils sont 3-3. Le 2 et le 3. Donc finalement, je vais prendre une ligne de jeu simple, ce qui est de jouer le roi de pique, pique pour l'as, et je défile tous les cœurs en défaussant mes trèfles. Et si les piques sont 3-1, je leur donne une levée. On va faire comme ça. On va jouer le. Non, le 10, ça sert à rien. Ah, la dame, ok. Bon, c'est la carte que je voulais pas voir arriver parce que je vais avoir un choix. Je vais avoir un choix sur le deuxième tour de faire l'impasse sur le valet ou pas. Alors normalement l'impasse sur le valet il faut la faire. Elle est plus probable que d'un valet sec. Le problème c'est que si je fais l'impasse et qu'elle rate, on va me défiler tous les trèfles. Donc je vais, comme je suis bien dans le tournoi, j'ai pas envie de prendre trop de risques et voilà, je vais tirer l'as de pique. Bon, il fallait faire l'impasse. Bon, en espérant que les cœurs du coup soient pas 5. Il fallait faire l'impasse. C'était quand même très très dangereux de faire l'impasse.
Donc je vais partir du principe que soit les autres ne l'ont pas fait, soit ils ont commencé par jouer un carreau, parce que par couper un carreau, parce que si on commence par couper un carreau, on peut pas faire 13 levées. Même on peut plus faire un passe-pied. Donc je pense que je vais pas prendre la meilleure note, puisque je pouvais faire le grand chelem, je faisais 6 piques, 6 cœurs et l'as de carreau. Mais à 12 levées, je serais quand même en bonne compagnie. Bon, je vais tabler. Et je vais pas prendre, je vais prendre la moyenne, je pense. Ah bah 88%. Alors là, ça servait à rien de se casser les pieds à faire 13 levées. Donc finalement, j'ai bien fait, hein. Vous voyez, j'ai pris aucun risque, j'ai marqué 88%. Alors que oui, parce que peut-être qu'à d'autres tables, sur une autre séquence, ils ont tabé trèfle, en fait, hein, tout simplement. Donc j'étais dans un bon coup, il n'y avait pas de raison de vouloir faire absolument 13 levées, même si là ça marchait. On assure 88%, on était dans une bonne note. Ils ont raté l'entame. Même si l'impasse pique m'aurait permis de faire 13 levées, ça me conforte dans mon choix. Alors, donne suivante. 10, 11, oui, c'est marqué là. J'ai 6 beaux trèfles, j'ai 7 beaux trèfles. J'ai 2 as, ça vaut largement l'ouverture. Alors, on va dire 2 trèfles. 2 carreaux. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de. Alors, il me dit que j'ai une main faible, mais c'est quand même 11 points absolument magnifique. Hein. Mais bon. On va dire 3 trèfles, puisque c'est dans le cadre du système. Alors, on est très content d'entendre 300 atouts. Alors, bon, 300 atouts, c'est 7 levées de trèfle, le roi de cœur et l'as de carreau. Donc, a priori, c'est au chaud. On va passer le valet de cœur, des fois qu'il y a ce dame chez l'entameur. Bon, c'est pas le cas. Est-ce qu'on masque le 2 de cœur? Ça va être compliqué de faire plus que 9 levées. Donc, je vais laisser passer le retour cœur, je pense. À 19. Alors, il a entamé le milieu 4. Les cœurs sont 5-3 apparemment. On va défausser un carreau et on va espérer une fin de coup. Alors une fin de coup simple, ce serait que l'as de pique et le roi de carreau soient dans la même main. Surtout si c'est cette main-là. Il va être obligé de garder l'as de pique et le roi de carreau second jusqu'à la fin pour passer chez son. Et je vais devoir donc défausser tous ses cœurs. Du coup, en fin de coup, je pourrais raisonnablement lui rendre la main. Donc on va défiler les trèfles et puis on verra bien ce qui se passe. De toute façon, là, on peut pas se permettre de donner la main. Alors si, on pourrait jouer pique en espérant que l'as de pique soit ici. Mais si l'as de pique est là, on va chuter, on va perdre 4 cœurs et 4 cœurs et l'as de pique. Donc voilà, on va pas s'amuser à chuter des coups avec 9 levées de tête quand on est en tête du tournoi. Il n'y a pas de raison. On peut se permettre de prendre une moyenne. Je pense que la majorité des gens vont défiler les trèfles. Et puis on ne sait jamais, s'il y a une fin de coup, on peut encore récupérer le top. Alors, le 9 de pique à gauche, le 2 de carreau à droite. Donc, à droite, il a l'air d'avoir 3 ou 5 ou 3 carreaux. Le 9 de pique à gauche, ça ressemblerait plutôt à ce 9 de pique, ça. On va continuer. Il a l'air d'avoir 5 carreaux à droite. Alors 9 et 4 de pique à gauche. Donc je mettrai double ton carreau à gauche, double ton trèfle, 5 cœurs et 4 piques. Donc je lui mettrai as de pique quatrième, les 5 cartes à cœur, il y en a encore 2 qui s'en mettent. Et peut-être le roi de carreau second. Donc, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal de.
de continuer comme ça. Voilà. Donc je crois qu'il a l'as de pique là. Donc j'ai très bien fait de ne pas tenter le diable en jouant pique, hein, en espérant que l'as de pique soit là. Et j'ai l'impression que la fin de coup se met en place. S'il me défausse deux cœurs à gauche, je vais pouvoir jouer pique vers le roi. En espérant que. Donc il vient de défausser un cœur. Donc je vais jouer pique vers le roi en espérant qu'il. Voilà. Il a défaussé deux cœurs. Et ben, je suis très inspiré parce que je l'avais annoncé au début de la partie, cette fin de coup. Donc il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de pique, il n'y a plus que du carreau. Il a deux carreaux à gauche, donc on va le remettre en main à pique. Et normalement, s'il a joué comme ça, c'est qu'il a le roi de carreau second, donc il va nous le rendre. Hop, et voilà, merci beaucoup, personnel. Et on finit par une jolie fin de coup pour lui prendre son roi de carreau. Bah voilà, bah écoutez, 90%, hein? Wood Didon, 77%. Continuons, continuons. Hein? Alors, 17 points d'honneur. Alors, normalement, j'aime bien ouvrir d'un sens à tous ces mains-là. Parce que j'ai 5 cœurs, 3 piques. Mais le champ risque d'ouvrir d'un cœur. Donc, comme normalement, comme j'ai beaucoup d'avance, c'est vraiment beaucoup d'avance, à 77, je ne sais plus combien de pourcents, j'hésite. Si j'ouvre d'un cœur et que mon partenaire dit un pique, je suis trop obligé de faire des trucs bizarres. Bon, je vais faire comme d'habitude, je vais ouvrir d'un sens à tout. Et puis on verra bien. Le trèfle. Alors maintenant j'ai deux options. Soit je dis trois cœurs pour montrer mes cinq cartes à cœur et revenir j'ai envie de dire dans une situation entre guillemets classique où je vais jouer en fil 5 et 3 à cœur si mon partenaire a trois cartes à cœur. Soit je dis deux cœurs et alors l'idée c'est que j'ai qu'un seul as. Donc si les adversaires trouvent l'entame, si mon partenaire a 4 piques et 3 cœurs et que les adversaires trouvent une entame à carreau par exemple, je vais probablement pas avoir le temps d'affranchir mes piques et mes trèfles et je vais, à moins que mon partenaire ait un truc genre 10 9 de carreau quatrième, mais s'il a 4 piques et 3 cœurs, oui, il peut avoir 10 9 de carreau quatrième, ça lui ferait double ton trèfle. Et là, je serais peut-être gêné sur une entame, trèfle pour l'as et trèfle. Donc quand j'ai pas beaucoup d'as, quand j'ai qu'un seul as, j'aime pas jouer sans atout. Parce que ça fait trop de reprises potentielles chez les adversaires et ça leur donne le temps d'affranchir leur langue. Donc je vais dire 3 cœurs pour éventuellement retrouver le fil 5 et 3 cœurs. Il y a mon partenaire avec 2 cœurs. Bah c'est très bien parce que comme on est bien dans ce tournoi. Oula! Oula, non, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Je vais perdre tous les carreaux dès l'entame. Ah, il y a peut-être à 100 de carreaux, hein. Hein, peut-être qu'il a soit 9-8 de carreau et qu'il enterre les carreaux soit 9-8. Wouhou! Eh bien, on peut voyager aujourd'hui. Hein. Je crois que pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a deux options. Soit on commence par les cœurs, mais il y a un blocage des trèfles. Parce que bien évidemment, on ne va pas jouer pique. Hein. Mettre l'as de pique et qui défile tous les carreaux. Soit on commence par jouer cœur, mais il y a un blocage des trèfles. C'est-à-dire que si par exemple la dame de trèfle est seconde, on va jouer roi de trèfle, trèfle pour l'as, ils sont tous maîtres. Et le trèfle là, il nous fait revenir en main. Donc il faut garder la dame de cœur pour aller chercher éventuellement les trèfles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le valet de trèfle. Parce que pour l'instant, il ne sait pas du tout le zozo à gauche là que j'ai roi valet 10. Peut-être qu'il va couvrir la dame troisième. Donc je vais jouer le valet de trèfle et je vais voir ce qui se passe. Alors l'autre option, ce serait de jouer le roi de trèfle et de voir les parités pour faire éventuellement une impasse sur la dame de trèfle troisième à gauche. C'est possible aussi. Alors quel est le cas le plus... L'avantage de jouer le roi de trèfle, c'est que là je vais voir des parités, c'est sûr, et que je ne me tromperai pas au tour suivant s'il a la dame troisième. Donc je vais faire ça, plutôt le roi de trèfle, c'est mieux. Plutôt que de jouer qui va me couvrir dans une dame troisième
ce qui n'a rien d'évident. Je pourrais avoir valet 10 troisième et la dame, s'il couvre, il y a le roi sec chez son partenaire. On va jouer le roi de trèfle plutôt. Et on va regarder les parités. Alors, le 4 et le 3, ça veut dire que les trèfles sont 3, hein, ça. Donc, soit ils sont 3 derrière, oui, bah s'ils sont 3 derrière, de toute façon, maintenant, il ne jettera pas un trèfle derrière. Donc, on va jouer le valet de trèfle. Ah, ça marche pas. Bah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on a raté les dames. Rater les dames à ce jeu-là, c'est rarement bon. Donc, tant pis. Tant pis. Alors, bah, je vais chuter du coup. Hein. Je vais chuter parce que j'ai que 8 levées. Mais bon. De toute façon, maintenant, il faut encaisser les plis. Je volais une levée à pique en espérant qu'il ne planche pas de l'as de pique. C'est trop dangereux. Je me suis quand même beaucoup dévoilé. Alors, les cœurs sont 5-1. Mais le 10 est tombé déjà. Bon, il défausse beaucoup de carreaux, le monsieur là, qui a As-Roi de carreau à ma gauche. Bah, c'est bien, c'est-à-dire que s'il a l'As de pique, il va être obligé de me rendre le pique à la fin. J'y crois pas trop, hein, puisque il n'aurait pas défaussé comme ça, donc je pense que je vais perdre le reste. Donc il va faire la dame de trèfle, As-Roi de carreau, il va rendre, et qui sait, peut-être il défausse son dernier pique. Alors j'aurais pu gagner, il me semble que j'ai joué normalement. Peut-être j'ai joué trop vite, trop content d'avoir fait mon carreau à l'entame. Donc je vais faire 40% à 22. Très bien. Il fallait que je prenne les cœurs d'abord. Alors si j'avais pris les cœurs d'abord, j'aurais vu le 5 de ton cœur à ma gauche. J'aurais pas forcément trouvé la dame de trèfle, troisième de l'autre côté. Je pense que c'est ceux qui ont ouvert d'un cœur. Probablement à gauche, si je m'abuse, il avait un gros bicolore, hein, puisqu'il était 5 de ton cœur et 5 de ton trèfle. Donc il serait intervenu et ça m'aurait probablement mis la puce à l'oreille s'il intervient par un bicolore pour trouver la dame de trèfle. Et peut-être qu'on aurait, au lieu de jouer 300 atouts, on aurait joué 4 ou 5 trèfles. Puisque j'ai l'impression que peut-être on peut gagner 5 trèfles. Il fallait que ça arrive à 22%. On n'a rien fait d'affreux. Mais ça ne peut pas rouler comme ça tout le temps. Vous voyez, je me suis enflammé quand j'ai fait mon valet de carreau à l'entame. Et ça va très très vite le bridge. Hein. C'est pour ça que c'est aussi un jeu extraordinaire. C'est qu'on passe par toutes les émotions en 5 minutes. C'est-à-dire que quand j'ai joué deux piques tout à l'heure, j'étais à me lamenter comme quoi j'allais prendre le 0. J'ai marqué 93%. Et là, j'étais très content de faire mon valet de carreau à l'entame et j'ai marqué 22. Donc, on reste concentré. Et puis, on fera le bilan à la fin. Un trèfle, un cœur. Oh là, les donnes sont bizarres. J'ai 6 cœurs d'un valet 19-8 et 5 piques as-dame. Alors, je pourrais dire deux cœurs. Hein, j'ai envie de les dire, mais c'est idiot, parce que je sais que personne va les dire. 6 cœurs, dame, valet, 19-8. L'autre option, c'est de dire un pique, bien évidemment. Alors, le problème, c'est que si je dis un pique, je ne pourrais plus jamais jouer à la tout cœur. Et si je dis deux cœurs, je ne pourrais plus jamais jouer à la tout pique. Parce que si je dis deux cœurs, qui veut dire que j'ai 6 cartes à cœur, grosso modo, mon partenaire ne va jamais comprendre ensuite que la tout pique est jouable. Donc c'est très compliqué. Je pourrais dire passe aussi, mais bon. Je vais dire un pic, puisque c'est a priori mon fit le plus probable. Voilà, alors 3 pics, 3 sans atout. Alors, oh là, tout le monde a du jeu. Mon partenaire a 4 cartes à pic. Ça c'est sûr. 3, 6, 11 points, d'accord, ok. Alors, ce qui me gêne, c'est que 300 atouts, ils vont les faire. Probablement. J'ai le roi de trèfle sec soumis.
Alors, 4 piques, j'ai envie de défendre à 4 piques. Imaginons que mon partenaire, il est valet de pique 5e, par exemple. Il n'a probablement pas le roi de pique, parce que celui-là a la réplique. Donc, s'il a le valet de pique 5e, je vais peut-être lui prendre son roi de pique en impasse, l'ostrogo, là. Et peut-être que je vais perdre As roi de cœur, je vais perdre 4 levées. Et 4 levées, même si j'en perds 5, c'est mieux que 300 à tout égal. Celui-là, dès qu'il a 6 traits à place dame valet, ils peuvent me faire le roi de pique, As roi de cœur, 6 traits à place dame valet, je parle même pas des carreaux. Donc, je vais défendre. Voilà, je vais dire 4 piques. Pariant sur le fait que 300 à tout gagne, bien évidemment, puisque je pense pas que je vais chuter, je vais chuter de 3. Bon, bah maintenant 5 trèfles, j'ai pas envie de dire 5 piques, parce que déjà, si je les laisse jouer 5 trèfles, bah, ils marqueront moins que tous ceux qui gagnent 300 à tout. Si 300 à tout chuté, que 5 trèfles gagne, de toute façon, en disant 5 piques, je vais pas marquer un très bon coup non plus, parce qu'il y aura plein de 300 à tout moins 1. Donc j'ai fait mon travail, je les ai enlevés de 300 à tout, et puis maintenant, il faut que j'ai du bol. Alors instinctivement, j'ai envie de dire que j'ai eu beaucoup de bol au début, et là, la dernière donne, elle n'a pas été très vénarde, donc peut-être que le vent est en train de tourner. Hop. Alors vous voyez, c'était prévu, hein, le roi de pique est au mort, donc peut-être même que lui, il est chicane. Donc 300 atouts, il les gagnait, je pense, sans difficulté, hein. Il y a tous les trèfles derrière, donc avec les deux as et le roi de pique. Donc on a pris la bonne décision de dire 4 piques, je pense. Maintenant, pour le reste, ça dépend pas de nous. Ah, ben voilà qui est bien. Donc là, on va lui mettre un tout petit cœur pour lui dire de revenir carreau. Carreau, je coupe. Voilà. Merci, monsieur. Et on va te donner une coupe à cœur. On va mettre un gros cœur. Très bien. Deux chutes. On le prend. Bon, bah, vous voyez, je pensais que le vent allait tourner. Il n'a pas tourné du tout. Parce que deux chutes à 5 trèfles, je pense que 81%. Ouais, il y en a qui ont peut-être contré 5 trèfles. Mais 80%, c'est très bien. Allez, donne suivante. Alors, c'est la donne 13. On est à 72%. Là, je pense que, à moins qu'on finisse très mal. L'objectif d'être devant Ziyamamoud, ça devrait aller, même si j'aime pas dire ça porte la poisse. Ce qu'on va essayer, on va essayer de faire, on va essayer de voir si on peut gagner le tournoi, hein. Hein, tant qu'à faire. Mais il faut pas le dire parce que ça porte la poisse aussi. Un pique passe. Alors j'ai 10 points, rien à dire, je veux dire, ça va tout. De cœur. Alors la dame de trèfle troisième pour dire 200 à tout. C'est pas terrible, parce que si mon partenaire est court à trèfle, c'est pas bon. En même temps, quand je dis 200 à tout, je dis que j'ai pas de fuite et que j'ai 9-10 points d'honneur et des arrêts partout, c'est ce que j'ai. C'est sûr que je préférerais avoir le valet de trèfle à la place du valet de cœur. Ça, c'est une certitude. Mais bon, mon partenaire, il sera quand même souvent singleton carreau, plus souvent, hein, quand il est 5-4-3-1. S'il est singleton carreau, peut-être qu'il a un trèfle troisième, peut-être qu'on arrête bien les trèfles. Bon. Alors, il n'est pas singleton carreau, mais il a le valet de trèfle quand même. Donc ça, c'est pas mal. Les piques par As-Roi, c'est bien, parce que c'est d'élever à direct à sans atout. Le valet de carreau va peut-être me permettre d'affranchir les carreaux. Il faudrait que les trèfles soient 4-4. Si les trèfles sont 4-4, je vais perdre 3 trèfles, un carreau, un cœur, je perds 120. Contre 2 piques, 110 peut-être, hein. Donc, les trèfles n'ont pas l'air d'être 4-4, 7. Il me manque le 5 et le 2. S'il a le 5 ou le 2 à gauche, ça veut dire que les trèfles sont 5-3. Donc je vais probablement perdre 4 trèfles, un carreau et un cœur, et je vais faire une chute. Bon.
Alors, on va attaquer les carreaux pour commencer. Et puis, on fera le point après. Alors, le 3 de carreau, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, même si c'est pas forcément les carreaux 3-3. Il peut avoir le 9 ou le 10 secondes. Je pense qu'il ne développe pas le 9 dans le 9 secondes dans cette situation. Mais bon. Alors, les trèfles, ils ont l'air d'être. Oui, bah, il a l'air d'avoir ce qu'il faut, lui, à gauche. Hein. Alors, on va défausser les piques. Ah, le 2, oui, le 2. Il aurait mis le 5 avec 5 et 2, donc les trèfles sont. C'est confirmé, on va chuter d'un. Les trèfles sont 5-3. On va essayer de chuter que d'un, hein, puisque 4 trèfles et 2 as rouges, on les perd toujours. Alors, est-ce qu'ils peuvent me le filer s'ils n'encaissent pas leurs deux as? Si je vais faire peut-être 4 carreaux, peut-être 2 piques, 6 et un trèfle 7, il faudrait qu'en plus ils me laissent une levée à cœur. Je pense pas qu'ils vont me le filer. On va essayer de pas faire 2 chutes. Il va falloir que je défausse encore une fois. Alors, je vais peut-être avoir des problèmes de communication quand même. Hein, donc, je peux pas défausser le carreau, c'est ma communication. On va défausser pique plutôt. Je sais après que je vais défausser pique. Là, défausser pique, ça peut me poser des problèmes de communication. Si je savais si les carreaux étaient 3-3 ou pas, ça m'arrange. Bon, on peut défausser un carreau pour commencer, je pense. Là, on va défausser pique encore. Ah, il défausse un cœur, ça veut dire que les cœurs sont probablement 3-3, ça. Donc, je vais défausser. Je vais défausser carreau. Hop. Et on va tabler, puisqu'ils nous ont laissé les communications. 200 à tout moins 1, ça devrait être un coup banal. On va marquer 40%, je pense. Ah, 53, bon, très bien. Alors, on est toujours en tête. 71, il reste 3 donnes. Oui, on est en tête. Le deuxième à 68, donc on n'est pas à l'abri d'un coup dur. Il hein. Faut rester concentré. Puisque quand on est dans des scores aussi hauts, le moindre 0 sur 16 donnes vous fait descendre très très vite. Donc on va rester calme. Pas aller chercher les coups. Un carreau, un pique, un 100 à tout de pique. Alors, l'entame classique, j'ai envie de dire, c'est carreau, mais bon, il a ouvert. On sait qu'il y a 4 carreaux morts, on a 4 petits, c'est pas très engageant quand même. Soit le partenaire est court à carreaux et on va franchir des carreaux chez les adversaires, soit le partenaire est long à carreaux et ça veut dire que c'est lui qui est court, il va probablement profiter des carreaux du mort pour défausser des perdants de sa main. Alors, j'aime pas entamer d'un as. À tout sous le roi troisième dans cette situation, les piques sont là quand même, hein, donc c'est pas très engageant. J'ai très envie d'entamer le 4 de cœur en fait, sous l'as. Normalement, c'est des choses qu'on fait jamais, mais là j'ai très envie puisque la plupart du jeu des adversaires est au mort, donc s'il y a un roi de cœur au mort, il faut le traverser. Le problème, c'est que on est en tête du tournoi, hein, donc faire un truc que personne va faire, si ça tombe mal, ça va faire le zéro. Donc, est-ce qu'on fait ce qu'on a envie de faire ou est-ce qu'on gère plutôt l'avance? Allez, bon, on est là pour flamber, hein, un petit peu là. C'est pas raisonnable, mais on va le faire quand même. Allez.
Ah, ah, il va pas mettre le roi, mon. Ah, il a mis le roi. Mais voilà, il est bien. Il est bien, ce partenaire. Le 4, le 8. Alors, le 5, en plus, c'est le plus petit. Donc, j'ai l'impression que j'ai touché le roi second chez mon partenaire. Donc, ça, c'est très bien. Donc, je vais lui donner une coupe. Et en plus, il va rejouer trèfle au tour suivant. Donc, c'est très bien. Comme ça, je pourrais lui donner une deuxième coupe. Donc elle tombe bien cette entame. Alors maintenant il va falloir choisir. Si partenaire a le roi de trèfle, il faut rejouer trèfle pour le roi, trèfle coupé. Mais on aura peut-être l'occasion de le faire plus tard ben, on a le roi de pique en reprise. Hein, donc je vais jouer cœur. Je vais jouer cœur parce que ça va empêcher le déclarant de profiter de sa dame de cœur maître pour défausser une perdante. Comme ça, si le partenaire a le roi de carreau, il le fera. Parce qu'apparemment, le déclarant, il a 5 piques, 3 cœurs, 3 trèfles et 2 carreaux. On se fait tomber la dame, donc ça c'est très bien. Bah voilà, il joue lui-même trèfle, donc encore mieux. Bon, c'est déclarant qu'il y avait le roi de trèfle, donc apparemment le partenaire a le roi de carreau. Donc on va le couper. Ça, c'est facile. Et ben maintenant on peut jouer carreau. Donc ben, l'entame est bien tombée. Et comme quoi, hein, il faut pas toujours gérer le score et il faut savoir aussi suivre ses intuitions. Faut savoir sortir parfois des sentiers battus. Et là, on va marquer un bon coup, je pense. Hein. 75, donc c'est pas idéal, mais 3 de chute, je pensais marquer plus. Alors peut-être que sur entame carreau, ça aurait été entame carreau, le roi, roi de cœur, cœur pour l'as, cœur coupé. C'était une équivalence en fait hein, sur entame carreau. Mais bon, on va prendre nos 75%, il reste deux donnes. Donc, si on prend pas de zéro sur les deux dernières donnes, on a de bonnes chances de soit de gagner le tournoi, soit de finir sur le podium. Alors, 8, 9, 10, 12, 12 points, 5 piques. Un pique de cœur. Ben, rien à dire. Alors, roi de carreau pour l'as. Bah, d'ailleurs, oui, enfin, si, je vais prendre de l'as. Qu'est-ce que je vais jouer ensuite? Alors, il n'y a rien à couper, il n'y a rien à franchir. Je perdrai toujours un carreau, un trèfle et au moins un pique. Donc a priori c'est le maniement des piques hein, qu'il va falloir gérer. Instinctivement comme ça quand il me manque roi, valet, 9, 8, 7 j'ai l'impression qu'il faut jouer pique pour la dame et pique pour le 10. Alors je suis presque même sûr qu'il faut jouer comme ça. Le problème c'est qu'à chaque fois que je joue comme ça, ça marche pas. Alors comme chat échaudé craint l'eau froide, en même temps je vois pas ce que je peux jouer d'autre. Donc je vais jouer comme ça. Je vais jouer as de carreau, pique vers la dame et pique vers le 10 et advienne que pourra. Alors il y a un risque de raccourcissement hein, quand même. Carreau pour l'as. Quand je vais jouer pique vers la dame, si ça marche pas, ils vont prendre. Ils vont jouer carreau et carreau. Je vais couper. Je remonte au mort à l'as de cœur. Je joue pique vers le 10. Si ça marche pas, ils vont me rejouer. Ah ben non, j'aurai le policier à tout. Donc, j'ai a priori juste un maniement des carreaux, sauf accident. Un maniement des atouts. Donc, je vais jouer bêtement parce que je vois rien d'autre. Je vais jouer les stats. Alors, le 9. Le 9, ça me plaît pas. Parce que soit c'est 9-8 sec, soit c'est valet 9 sec.
Roi 9 sec, j'y crois pas, parce qu'en général, ils mettent le roi. Alors, si c'est 9-8 sec, il faut que je joue pique pour la dame et pique pour le 10. Si c'est valet 9 sec, il faut que je joue pique pour la dame et pique pour l'as. Voilà, j'en sais rien. Voilà, je me trompe. En général, quand j'en sais rien du tout, je me trompe à chaque fois. Donc, peut-être jouer à pile ou face. Ce sera mieux que de se tromper. Oh, qu'il est gentil. Je suis allé jouer pique pour le 10. Oh, voilà, là, franchement, merci, merci. Merci beaucoup. Je suis très content. J'ai pas besoin de réfléchir. J'étais déjà en train d'avoir mal au crâne pour savoir. En fait, pour vous dire la vérité, s'il n'avait pas joué le valet de pique, comme je me trompe tout le temps dans ces cas-là, j'aurais sorti une pièce et j'aurais fait pile ou face. Et là, il l'a joué, donc on va revendiquer, on va leur donner l'as de trèfle. Donc on a perdu un pique, un carreau, un trèfle, c'est très bien. 61%, ben, heureusement, hein. Après, s'il l'a fait à ma table, il a dû le faire aux autres tables aussi. Donc c'est pour ça en fait qu'il y en a autant qui gagnent. Après le maniement c'était peut-être as de pique et pique vers la dame, on aurait vu le valet second, j'aurais pas eu de soucis. On peut jouer aussi comme ça, hein, c'est la deuxième option. Bon, en attendant, il reste plus qu'une donne, la donne 16. On est à 71%. Je pense que, alors bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui vont jouer encore, hein, donc ça suffira pas forcément pour gagner le tournoi, mais là on est déjà devant The Emma Wood, c'était déjà l'objectif initial. Allez, la dernière. Alors, un cœur, j'ai 11 points. Ah. Alors, on peut contrer, on peut passer. Grosso modo, c'est les deux options. Si je contre, je montre plutôt l'ouverture. Après 11 points, valet 19, 8 de carreau 5e, c'est pas si mal. Si je passe, je risque d'être en difficulté au tour suivant. Ça me revient à deux cœurs, passe-passe, je ne saurais pas quoi faire. Je vais être obligé de réveiller par contre si j'entends 3 trèfles. Je préfère contrer au palier de 1 que de contrer au palier de 2. Je vais contrer, on est vert. Généralement, quand j'hésite à faire une enchère ou pas, que je suis un peu borderline, je regarde la vulnérabilité. La vulnérabilité a l'air d'être favorable pour une intervention light. Donc je vais la faire. Voilà, j'ai fait mon travail maintenant. Ils ont mis 3 cœurs, très bien. Alors c'était peut-être mieux de passer parce que là j'ai donné des indications aux adversaires. On va déjà entamer comme tout le monde le valet de carreau. Et le mort s'étale. Alors, le mort s'étale. On va laisser ça ici. Alors attendez, moi j'ai rien vu de la levée précédente. Valet de carreau, mon partenaire a mis l'as et il a rejoué carreau, le 5. Donc il a l'air d'en avoir 2 ou 4 au départ pour le roi du déclarant. De toute façon, pour l'instant, on ne peut rien faire. On va mettre la parité. On va mettre le 8. Alors, le roi de cœur, quand on ne sait pas quoi faire, ben, on le prend. Et maintenant, alors si le déclarant a la dame de carreau, il défaussera peut-être. Enfin, je vois pas ce que je peux jouer d'autre que trèfle, de toute façon. Donc, je peux jouer à tout aussi. Je me mouille pas. À tout, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être mieux de jouer à tout. Trèfle, ça peut attaquer les communications s'il va franchir ses piques, mais je vois pas trop. Bon, je pense que tout est pareil. Sauf si mon partenaire surcoupe à carreau. Non, c'est pas possible. C'est pas possible puisque s'il surcoupe à carreau, c'est-à-dire que le déclarant en roi-dame de cœur, il pourra couper du valet de cœur. Il n'y a pas d'intérêt à jouer trèfle tout de suite. Je vais rejouer à tout, peut-être.
Peut-être le mien. Alors, 8 de pique, bah, il n'y a pas de raison de mettre le valet, hein. Il n'a pas joué pique sur roi dame 3ème, ou alors c'est un génie. Ce qui serait pas forcément idiot, hein, quand j'ai dit un cœur contre, mais j'y crois pas une demi-seconde. Donc, j'espère juste que mon partenaire va pouvoir jouer autre chose que trèfle. Voilà. Alors, on va jouer trèfle maintenant parce que j'ai l'impression que. Bon, et on fait plus lever. Bah on termine sur une moyenne, donc c'est pas si mal. 50%, vous voyez. Bon, eh ben 69,99%, je sais pas si c'est un signe, ça va pas rester là. Hein. Mais en tout cas, ouais, vous voyez, on est passé à 70. On a pris la tête du tournoi, donc bah, vous avez vu que ça s'est plutôt bien passé. Hein. Donc on est plutôt content. Bah merci d'être resté avec moi. Alors, mes amis, est-ce qu'ils ont joué ah, Jérôme Rombaud est en train de jouer. Alors, il a 60% à Didon, donc je pense que je vais rester devant. Alors, Ziamamoud, je le suis, hein, en fait. J'aimerais bien qu'il fasse partie de mes amis, mais pour l'instant, je n'ai pas encore osé lui demander. Puis j'imagine qu'il a d'autres choses à faire. Sinon, au classement. Même du beau monde. Hein. Laurent Thuliez, qui est première série nationale, qui a déjà représenté la France en équipe Open. Andveit, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il a déjà représenté la Norvège. Donc, du très bon joueur. Picarec, un joueur belge, je dirais. Steve de Donder, oui, c'est très très fort ça. Voilà. Vous voyez que. Alors, quand je fais un beau tournoi, j'aime bien regarder s'il y a des bons joueurs qui se sont un peu plantés. Ça flatte mon ego, donc voilà, on va en profiter. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hop. Bon, on va pas dire quels sont les bons joueurs qui se sont plantés. On va respecter l'anonymat de FunBridge. Voilà. Ben merci à vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder. Vous avez pris autant de plaisir à regarder ce tournoi que moi à le jouer. J'espère que j'ai réussi à être pédagogue et voilà. Et je vous dis à bientôt, soit sur FunBridge, soit sur le Bridge Club d'Albi, puisque j'enseigne. J'ai le bonheur d'enseigner dans ce très joli club. Au revoir, à bientôt.